De mes souvenirs d'enfance en Alsace, il est un jour particulier, qui vaut plus que tous les autres. Cela s'est passé sur une colline étrange qui surplombe mon village. Imaginez ce village, au pied des Vosges abruptes, hérissées de falaises parfois, le plus souvent boisées de forêts accrochées aux pentraides. De l'autre côté, la plaine d'Alsace si plate, sans rides ni bosses, on dirait une mer. Mais auparavant s'élève une colline, posée là comme un frémissement, comme une vague provoquée par le choc de la plaine contre la montagne. Elle s'appelle le Bollenberg. En partant donc de ce Bollenberg, je serais volontiers des fois un peu lyrique. Je peux trouver des accents pour caractériser cette colline qui est vraiment exceptionnelle et exceptionnelle dans toute la vallée rhénane et reconnue comme exceptionnelle. Non seulement la flore, sont exceptionnelles, mais aussi le nom. Parce que Bollenburgum, hein, le nom qu'on donnait du temps des Romains, ça peut être tout simplement Bellenburgum. Et Bellenburgum, ça, c'est pour une colline aussi inondée de soleil et aussi riche botaniquement. Et dans tous les domaines d'ailleurs, tout simplement la citadelle du soleil. Der Lürger ist das Geld. Wenn ich jetzt ankomme und du schaffst Glück, ich denke, da ranlegen. Siehst du? So. Alle haben. So. Bollenberg se détache carrément du massif vosgien et forme une entité pyramidale et formée de trois mamelons. Le mamelon de Vestal, le mamelon de Ruffac, le mamelon d'Orschwihr. La base est donc vers le nord, la base de la pyramide, et la pointe vers le sud. C'est une formation géologique totalement inédite et bizarre. Et je pense que des hommes du paléolithique qui l'ont fréquenté, on le sait puisqu'on a trouvé des vestiges, et plus tard les hommes du néolithique avec leur occupation plus massive, se sont rendus très vite compte que cette colline était unique, d'autant plus que le chiffre 3 a toujours été un chiffre très, très important, je dirais même un chiffre religieux. Nous avons là en face de nous quelque chose d'un peu spécial. D'un peu spécial en ce sens aussi que cette colline est nettement détachée du massif vosgien. Ce qui implique que l'astre du jour peut tourner autour de cette colline sans rencontrer d'obstacles. Ce qui lui donne déjà, si vous voulez, une vocation pour l'observation. Si on veut observer, et à cette époque-là, enfin cette époque-là, je parlerai maintenant du néolithique, on s'intéressait justement au solstice, au lever du soleil, au coucher du soleil. Et nous avons ici une position idéale. Oh, ouais. Willst du einmal hören mit Angeln? Das ist der Anglerstein. Willst du einmal die Angeln hören? Hey, weißt du, was sind Angeln? Komm mit dem Kopf da hin, da kannst du hören, komm schön. Da hin, mach den Kopf da hin, schön. Hä? Hey. Oh, hast du jetzt den Angeln gehört?
Ce jour-là fut d'abord un rituel. Mon grand-père m'emmena à la pierre de l'ange sur une pente du Bollenberg. Les anges de cette pierre procurent force et félicité aux enfants qui peuvent les entendre. Et comment les entendre? En leur frappant la tête dessus, pardi. Les anges, je ne m'en souviens pas, mais les étoiles, ça oui. À partir du moment où des scientifiques et des chercheurs se sont intéressés à cette colline un peu spéciale, ils y ont trouvé ce qu'ils appelaient à l'époque des blocs erratiques. Ces blocs erratiques sont en grès, ce qui est assez stupéfiant pour une colline qui est massivement calcaire. Ces blocs sont dispersés à droite, à gauche, il ne semble pas y avoir d'alignement apparent. Il y a une petite querelle qui perdure jusqu'à nos jours. Et je suis même stupéfait qu'on ne l'a pas résolu plus tôt, parce que la première chose que j'ai faite, c'est prendre des échantillons, de les mettre sous des binoculaires et des microscopes pour voir si ce sont les mêmes qu'on trouve dans les carrières. Et je peux dire maintenant que les grandes pierres, ces pierres, ont bien été extraites des carrières du Schimberg, du Petit Finsberg, et amené à main d'homme, où ils ont servi à quelque chose. Mais à quoi? Alors, reprenant le travail de M. Boulot, l'histoire des Vosges, les Vosges avant l'histoire, en fait, je tombe sur sa visite à Orschwihr, vers 1860, 1870 à peu près, et je tombe sur une gravure qu'il a faite, une pierre qui existait encore à l'époque, qui avait 9 mètres de haut, qui est de forme pyramidale, avec une énorme échancrure sur le coin, 8 mètres sur le coin ou sur le côté, en forme de croissant. Et tout ça, évidemment, ça me pose beaucoup de problèmes supplémentaires, mais au fond, ça pourrait résoudre le problème des pierres qui sont disposées encore un peu d'une façon erratique, et qui ont aussi peut-être contribué d'une certaine manière à donner à cette colline un aspect et une réputation un peu sulfureuse. Parce que comme on ne savait pas expliquer tout ça, en plus une pierre de 9 mètres de haut, en forme de pyramide, ce n'est pas très courant. Il faut dire que la réputation, si vous voulez, de sorcellerie et compagnie qui s'est accomplie là-bas est un peu aussi soutenue par ces pierres un peu bizarres. Et je peux dire maintenant que ces pierres servaient à un calendrier solaire. La grande pierre de 9 mètres de haut, dont j'ai vérifié l'alignement avec les pierres restantes, et il en reste très peu, indique qu'on s'est surtout intéressé aux solstices d'hiver, aux solstices d'été, aux équinoxes. So, it's more fair up. Was it hard staying so long? Dis pas, papa, c'est quoi le thé d'octobre? Le thé d'octobre? Längre mot ta läge, là. Jag tänkte det snart vad sich. Thé d'octobre. Voilà, so. Immer abputzen vorher so, verstehst du? Dann nämlich als Mugge. Und dann noch. Ah, ce fameux thé d'octobre. C'était la gloire de mon grand-père. Le fruit de ses vignes, quoi. Celui qui réchauffe le corps en hiver et le cœur au jour gris. Celui qui embrume un peu les cerveaux aussi au cours des longues soirées vides de ce petit village. Vapeur du thé d'octobre. Brume sur le Bollenberg. Esprit qui vagabonde. Sorcellerie.
L'imagination populaire, les sabbats, comme on appelait ces réunions de sorcières, ne pouvaient avoir lieu que sur des endroits un peu dégagés. Pour différentes raisons, on ne peut pas faire atterrir des sorcières chevauchant des manches à balais et des fagots dans des forêts vierges. Hein. Il faut des pistes là où elles peuvent atterrir avec, sur le dos du diable. Et sur avec leurs engins. Et donc, finalement, beaucoup de gens se sont retrouvés par des accusations, par des dénonciations, des calomnies, devant les tribunaux, qui à l'origine dépendaient donc de l'Inquisition, si on veut, mais qui rapidement étaient pris en main par les magistrats civils. Ce qui a créé une psychose, d'autant plus que les gens de cette époque croyaient à la sorcellerie et croyaient qu'on pouvait envoûter quelqu'un. En Alsace, il est difficile de chiffrer le nombre de torturés, de brûlés, mais rien qu'à Ruffach, on en a brûlé 62 en une seule année, dont des gens d'Orschwihr et aussi de Berkholzell, et qui étaient des gens évidemment parfaitement innocents. Puisque quand on lit les comptes rendus de leurs aveux, on se rend compte que tout ça ne pouvait pas exister. Les traditions de sorcellerie, même s'ils ne sont plus légales, se sont maintenues quand même dans l'esprit collectif. Lors des soirées, lors des veillées, on parlait souvent de ces histoires de sorcières. Et puis, pour être franc, on avait toujours des gens qu'on soupçonnait, parce que ils avaient une claudication, ils avaient un petit défaut, etc. D'élocution, on les soupçonnait d'avoir des connaissances un peu spéciales, d'être, si vous voulez, des sorciers et des sorcières. Et ils étaient un peu au banc de la société, hein, dans ce cas-là. Mais alors, il est sûr que si on veut, par exemple, prendre des poupées de cire et les percer avec des épingles pour arriver à causer du tort à quelqu'un, on y arrive à condition d'attendre, puisque si vous piquez assez longtemps, le gars, il va passer un jour devant votre maison en boitant. Or, il aura attrapé une sciatique, mais votre système aura marché dans votre tête. Bon. Ja, Manala, ich bin als Mastier gesehen. Ja, 8 Jahre lang. Und einmal am Morgen, wenn ich in die Kirche gekommen bin, ist heiliger Schild abgestanden. Ich verstehe. Und am Morgen, es ist nicht ziemlich gesehen. Ein paar am Morgen ist er gekommen mit dem heiligen Schild. He. Und am Morgen bist du gestanden. Aber du bist geguckt. Aber ich trinke noch eins auf das hier. He. Ce jour-là, mon grand-père me raconta des histoires terribles. Pas de sabbat ni de procès, mais des choses bien plus étranges encore. C'était du temps où il était enfant de cœur. Mes enfants, ce livre, c'est une mauvaise personne qui l'a mis sur l'autel. C'est le bouclier sacré. Ça
Heilige Schelt, j'aurais fait une messe noire. Il faut qu'on le brûle. On va le brûler tout de suite. Tout de suite. Ja, du. Weißt, wo ich so alt gewesen bin als du, habe ich Hax kennengelernt. Ah, liebe Hax ist das gewesen. Ich denke jeder noch drauf. Oh je. Yeah. Jetzt habe ich zu viel gesoffen. Stehst du, jetzt habe ich alle Blumen. Macht aber nichts, he? Mon grand-père me confia son secret ce jour-là. Il avait connu une vraie sorcière. Mais quelle sorcière! Là-haut! Doucement là! Doucement là!
Wenn ich jetzt noch an meine Hax denke. Ein liebe Hax ist das. Ein sehr liebe Hax. Ja, aber. Elle était belle, sa sorcière, comme il l'avait aimée. Mais qui était-elle vraiment? Bon, peu importe. Ennui fâcheux, médisance, été d'octobre aidant, d'autres n'auraient vu que l'aideron effrayant, feu d'enfer, vacarme du diable. Lui me raconta femme, feu follet et musique céleste. Voilà pourquoi je rends grâce à mon grand-père. De sa tendresse pour une paria, j'ai fait maleçon. Les gens ne valent que par le regard que l'on porte sur eux.